Voici la suite. C'était quoi déjà de l'autre côté? Argentine, Norvège. C'est tout bon normalement. Bon, ce sera sûrement. Je ferai que ce match aujourd'hui en fait. Oh, je sais pas si je continuerai, mais je pense. F. C'est une affiche très prometteuse qui nous attend aujourd'hui, avec deux équipes dont on connaît l'ambition. Oh Allez, la oui. suite des réjouissances, c'est dans quelques instants sur eSports. eSport. One again. Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver avec Pierre Ménès pour Oula, c'est la super. dernière manche de cette épreuve Et voir la aujourd'hui. dernière Vous partez de tout match. très loin, c'est la demi-finale. Le plus dur reste à faire en même temps. Ouais, c'est un autre tournoi qui commence. Hein. Tu peux toujours arriver en demi en jouant sur tes qualités, mais pour aller en finale et surtout pour gagner, Alors, mais j'ai faut être gagné, il n'y a costaud. pas le choix. Très costaud. Je prends un but, moi, direct. À l'affiche aujourd'hui, la Russie face au Mexique. Monsieur, j'arrive vraiment tout. Paf, petit Alors, pour dribble. découvrir la Paf, composition paf. de l'équipe de Et plus Russie, rien. le 11 qui va démarrer. Le schéma tactique de l'équipe, mise en place d'un 4-5-1. Un message clair, étouffer le jeu de l'adversaire dès qu'il y a faute, il y a faute. Bah oui, il y a Et faute. déjà une faute. Yaronchuk. Et avec nos adorants. Frappe, frappe. Pas le temps de frapper. Un joueur qu'il faudra surveiller dans ce match, à mon avis. Doublé lors de son dernier match avait marqué les esprits. Un et doublé? En pleine confiance. Moi qui marque un doublé. Là, je vais faire un but de la tête sur corner. Hein. Bon jaillissement sur cette passe. Ouais, l'arbitrage à l'anglaise, il laisse jouer. Oh, full British referee. Oh, si je gagne, je la fais pas la finale. Ah, dommage. Carrément parqué. Il était. Ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque. Il poursuit sa course. Il ne semble pas disposé à donner son ballon. Oh, je l'enlève. Allez, 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 allez. Pas le téléphone, bordel. Ça me fait pas de le match encore. Monsieur, la faute du jeu encore. Faire toujours la faute du jeu. Je me suis pris un but. J'ai récupéré la balle. Voilà, récupère toi. Tranquille. On était plus dans le concept de la passe en retrait que de l'occasion de but. Hein. Bonjour. Au revoir. Un bon ballon d'attaque. Et avec Lozano. Et l'arrêt du gardien. Première occasion. Bon, là, je vais. Je n'aurai pas but, comme d'hab. Je vais commencer là. Je vais commencer. Ah, attends. La passe est interceptée. Là, ça sent pas bon, ça sent pas bon. Et on touche. Et on revient vers le même joueur, bien joué. Oh. Là, sans prendre de risque, et non. dégager ce ballon très loin. Et gagne son duel. Pas tout à Mais fait ça faire ça. Très loin avec non, moi c'est dégagé. Ah non, rends-moi la balle. Monsieur, rendez-moi la balle. Mais non, pourquoi je suis changé de joueur? Cette demi-finale qui a commencé il y a quelques minutes. Une étape toujours importante pour un club, pour une sélection, de disputer une finale. Oui, oui, il y a une nuance quand même, il y a des équipes pour qui c'est un exploit d'arriver en il y en a d'autres pour qui c'est la moindre des choses. Pour moi, c'est même pas un exploit, c'est un miracle. C'est pas la même que pour une autre équipe. Voilà, et puis pour Guingamp, c'est un exploit. Et avec Lozano. Oh, comment ça sur le Guingamp? Oh, les Guingamp au fil.
ce ballon qui n'est pas donné au bon moment, on le voit sans ralenti, mais bon, il y a pas envie de faire. Je disais aussi, j'étais bien seul. Allez! Derrière Kouzaïef. Imagine, c'est signé au tir au but. On rentre dans le temps. Dommage, on peut pas enlever les prolongateurs. 2 minutes seulement. 2 minutes? Et pourquoi enlever les prolongations, enlever les joueurs aussi, enlever le gardien des cages. Je me prends un but là. Pas de balle, je me prends un but là. J'ai même pas le temps de dire que c'est fait, c'est fait direct. Pour l'instant, c'est qui en finale? C'est l'Argentine. Ça va être chaud l'Argentine en finale. Les joueurs qui sont de la plus grosse équipe que j'aurais rencontré. Pas d'esprit de merde. Oh, c'est un adversaire qui récupère cette passe. Je suis perdu, je suis tout nu. Zirkov. Monsieur, au moins de la balle. Allez, remonte un peu. Hop, c'est parti, on leur pique la balle. Bon, il faut bien dire que dans cette 45 premières minutes, il faut leur piquer la balle, monsieur. Je trouve qu'il a été transparent, pas de but, peu d'occasion. On attend quand même autre chose en grande période. Peut-être falloir que ça fasse carrément. Hein ouais, toujours. On va peut-être se réveiller. Je vous avoue, c'est pas ce que je faisais. Hein. Ah, il va se rentrer, il va se rentrer. J'ai envie de tirer, je sais pas pourquoi. Ce sera corner pour le Mexique. Allez, un petit but sur corner. Allez, corner à tirer. Eh ben non. On a dégagé. On a écarté le danger. Ouais, il est bien placé, concentré. Ah, mais pourquoi je fais ça à chaque fois? J'essaie de repiquer au centre. Touchera pour le Mexique. Là, je frappe un peu. Il a raté sa touche. Le ballon récupéré par l'équipe adverse. Raté ma touche. C'est 6 minutes 7, j'ai raté ma touche. J'ai raté mon contrôle, j'ai raté mon match aussi. Il a descendu pour peut-être une nouvelle offensive maintenant. Oui. Oh oui. C'est la passe. Ah merde. Il tacle. Derrière Kouzaïef. Il a pris de l'épaule, je crois. Réveille-toi! L'entraîneur de l'équipe locale qui va faire entrer du 109. Oui, on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique. Ah, il y a beaucoup à jouer là, il n'est pas tout seul. Ah, il m'a dit ça. Ah, il m'a bien enrhumé. Ah, c'était dangereux. Ah oui. C'est ça parti. Oh! Miguel Layoun. Donc c'est en touche. Ce sera pour les Russes. D'accord. Changement dans cette équipe. Ouais, ah, l'entraîneur qui préfère revoir ses plans pour la suite du match. Hop. Ouais, il a gagné son duel. Attention. C'est dégagé. Pizzerzo. Andrés Bernardo. Jesús Corona. Alors. Bonne anticipation sur cette passe. Ah, attends, c'est vrai. Qui a été demandé par l'entraîneur. Le prochain arrêt de jeu va pouvoir faire son entrée dans son public. Pas de mi-temps, prolongation, tir au but. Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. Ils sont en train de destination de ses partenaires. Il aurait aimé offrir la victoire à son équipe, mais le gardien a été vraiment décisif. Oui, grâce à un arrêt exceptionnel digne d'un gardien de Horn. Vraiment, c'est bien joué. On est entré dans les 9 dernières minutes de ce match. Donc l'histoire ce sera pour le Mexique. On est quelqu'un un changement bien maintenant. On va voir si ça change quelque chose à l'issue du match. Andrés Bernardo. Passer à Vasquez. Ah ouais, c'est bien fait ça. Sur ce ralenti, c'est encore plus net. On voit le ballon qui vient toucher le poteau avant de finir par rentrer. Limite hors jeu. Quelques centimètres près, ça sortait, mais le buteur a eu cette chance.
Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Le gagner 0, c'est toujours un but et un but contre. Je sais pas pourquoi ça. S'enflamme pour encourager son équipe. Rien n'est perdu, Pierre. Ça, je crois que les supporters ont bien compris que c'était maintenant ou jamais. Est-ce que je peux prendre un but là tout de suite? Choisit la frappe. Elle frappe contrée par le défenseur. Et c'est encore lui. Il prend sa chance. Un joueur qui a confondu vitesse et précipitation sur les coups. Ah, c'est vrai qu'il vient de gâcher une très belle occasion. Et avec un peu plus de lucidité, il aurait peut-être au moins cadré ça. Ils sont en finale de coupe. Voilà, je suis en finale de coupe. Ah, 3-0 carrément là, l'éclat de Norvège quoi. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Argentine-Mexique pour le prochain match.